Salut à tous, c'est Wiki, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo à propos d'achat-revente sur FIFA 18 sur un joueur. Donc vous ferez au moins de 500 à 1000 bénéfices, ou si vous avez de la chance, plus de 2000 de bénéfices. Donc déjà pour le moment, allez vite vendre vos joueurs. Pas de grosses affiches, hein. De tous ces pays. Allez les vendre, vous allez voir, j'en ai mis en vente et il y en a, ils pourraient partir pour les 3000 crédits quoi, donc alors que c'est des cartes argent ou des vieilles cartes or. Donc voilà les ceux en question de la grosse affiche. Voilà, il y en a personne qui les a encore pris. Non, il y en a qui pourraient bien partir. Et le joueur en question, c'est ce fameux Zappa Costa, défenseur droit de Chelsea d'origine italien. Donc voilà, là comme vous voyez, je le mets à chaque fois 3600, 3700. Vous dites, mais pourquoi tu fais ça? Alors j'en ai déjà vendu quelques-uns comme vous voyez ici. 3600, 3700, 3600. Et voilà. Et là vous allez vous dire, bon ok c'est normal, mais par contre on a un peu trop et voilà. Je vais vous montrer la technique. La technique comment faire. Il faut aller vite, hein. Donc déjà vous rentrez Zappa Costa. Un zap. Et voilà, c'est celui-là. Ici vous mettez, voilà, comme ça vous êtes sûr. Max achat immédiat, vous mettez 3000. On est d'accord? Là, vous allez faire retour et triangle. Et là, il y en aura un. Vous allez vite faire ça. Et là, voilà. Là, faudra aller vite. Déjà, on en a trouvé un. Alors que ce joueur se vend dans les 3600, comme vous avez vu. Voilà. Faut faire cette manip plein de fois. Allez vite. Et vous voyez, faut aller vite. Et si vous avez une connexion, une bonne connexion, vous êtes plus avantagé vu que toujours un petit décalage, quoi. Donc voilà. Après, vous faites que ça. Là vous avez vu 2600 alors qu'on pouvait l'avoir et le revendre à 1000 crédits quoi. Ah mais vous voyez, faut quand même aller vite. Vous entendez peut-être les joysticks. Non. Voilà, et là 2000. Vous voyez, après faut aller vite et voilà, faut avoir aussi de la chance. J'espère en avoir au moins un, on va le faire 30 fois. Allez, c'est assez difficile, mais bon, faut avoir du temps devant soi. 2700, alors qu'il part à 3700, quoi. Vous pouvez le revendre à 3700 ou 3600. Et si vous voyez qu'il part pas, n'hésitez pas, surtout baissez pas, mettez pas à 3500, ça ne sert à rien. Et partir à 3700. Voilà, ça en fait, c'est ceux qui n'ont pas le temps. Ah voilà, j'en ai eu un, 3000. Donc là, ensuite, une fois que vous l'avez, bah voilà, là vous mettez voilà, 3300. On va peut-être mettre à 3006. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. 3006 et 3800, voir à combien il part. Et voilà, après vous pouvez vous faire juste de l'achat-revente comme ça. Celui-là, est-ce qu'on peut l'avoir? Non, ça coûte cher, ça, sinon. Et après, bah voilà, moi, vous avez vu que ça marche très très bien. Je sais pas s'il y a combien de temps je l'ai vendu, ce joueur. Non, il n'y a pas écrit de temps, mais bon. Là, il va partir dans une demi-heure. Là, j'ai 120 000 crédits, et ce soir, je pense, j'en aurai 120 000, je pense, même avec ceux-là qui coûtent, il y en a, ils partent à 3000, frais dans les 120 000. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'achat-revente, n'hésitez pas à lâcher un gros like et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en trouve d'autres joueurs et que je vous les propose en vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.